posé en direct du salon de la famille, on va tourner une nouvelle vidéo. Yo la famille, c'est Rocket 92, j'espère que vous allez tous très bien la famille. En tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va tout simplement tester une nouveauté de la grande chaîne de restauration Domino's Pizza. La famille, je pense que vous connaissez tous Domino's Pizza. Ils sont très très réputés pour leur pizza, etc. Et là ils ont sorti une petite nouveauté que je me suis dit qu'on va tester en vidéo tout simplement. C'est tout simplement, ils ont commencé à faire des petits nouveaux trucs, genre des espèces de tacos hein, mais avec tout simplement un burger, un espèce de burger à l'intérieur, goût burger. En gros voilà, ils ont essayé de mettre un peu des ingrédients qu'on met dans un burger, dans un espèce de tacos. Donc en gros c'est une espèce de calzone avec à l'intérieur du bœuf, genre tu sais un petit peu du steak qu'on trouve dans les burgers quoi, et avec de la sauce burger etc, avec de la pâte à pizza etc. Donc en gros un espèce de tacos pizza et en même temps burger. Et je me suis dit on va tester ça dans cette vidéo. Donc on va se retrouver tout simplement sur l'application Uber Eats et on va commander ça à la famille pour tester cette nouveauté. C'est une nouvelle recette, j'en avais déjà testé leur truc comme as là, genre en mode tacos pizza à l'ancienne, au kebab etc. Et là on va tester le nouveau au burger en taille XL. C'est parti, vous allez voir, ça va être de la dinguerie. Donc la famille, me voilà tout simplement sur le site Domino's Pizza de ma ville Montrouge hein. Donc regardez la famille, on va voir la nouveauté qu'ils ont sorti là. Regardez, nouveau burger. Donc en gros c'est un espèce de tacos burger à l'intérieur. Ils ont mis tout simplement des boulettes de bœuf assaisonné avec de la sauce burger. Donc en gros c'est comme un truc burger tacos, t'as capté. Donc c'est tout nouveau à l'intérieur, mozzarella, boulette de bœuf assaisonné avec de la sauce burger. Ça ressemble à ça, franchement ça a l'air d'être super bon. On va tester cette nouveauté dans cette vidéo la famille hein. On va prendre bien évidemment en taille XL hein. Voilà, comme ça on a un gros truc, tu connais hein. On va tester ça. Après ils ont encore fait une nouveauté. Donc voilà, on va tester vraiment les nouveautés de Domino's dans cette vidéo. On va tester leur churros. Donc maintenant ils font des churros, on va prendre des churros avec. Et une petite boisson etc, tu connais. Et il y a quoi encore, il n'y a pas de nouveauté en vue là. Ah si, il y a encore une nouveauté, ils font simplement des potatoes. On va commander tout ça la famille. Bref, en tout cas je vais passer la commande des nouveautés tout simplement de chez Domino's Pizza. Et on se retrouve directement dès que j'ai la commande, à tout de suite. Bon la famille, j'ai reçu les colis donc qui contiennent la nourriture, regardez-moi ça. Donc on va tester le tacos burger nouveauté de chez Domino's Pizza. Donc franchement Domino's Pizza, moi je suis très fan de leur chaîne de restaurant, parce qu'ils font des trucs halal, certaines viandes halal. Et en plus de ça ils font tout le temps des exclusivités, ils font des bonnes pizzas. Donc regardez, on a reçu tous les emballages hein. Donc franchement très très bien emballé, en plus c'est emballé au nom de la marque etc. Donc on va découvrir chose par chose. Donc ici on a quoi? Ah ouais, regardez. Par contre ils m'ont douillé pour les churros. C'est quoi ces churros mon frère? On dirait des frère, on dirait comment ça s'appelle? On dirait des Mikado mon frère, c'est quoi ça? Eh, j'ai commandé des churros, j'ai cru que ça allait être les gros et tout, des fêtes foraines, mais pas du tout. En plus la famille hein, dites vous les 4 churros là, je les ai payés pour 3,50€. Franchement ça ils m'ont grave douillé. Par contre hein, pour les churros, vraiment de la douille, 3,50€ ça. Par contre je suis vraiment déçu là dessus Après les potatoes, j'ai payé 2,50€. On a l'air d'avoir une grosse barquette. En plus regardez, c'est trop stylé, regardez ils mettent la sauce ici. En fait il y a un trou pour la sauce, c'est trop classe. Donc j'ai pris la sauce curry. Par contre les potatoes, ça a l'air d'être vraiment bien garnies hein. On va regarder ça, ouais ils ont mis un vrai bol, enfin un vrai paquet quoi. Franchement les potatoes elles sont bien chaudes. Je savais même pas que Domino's ils faisaient des potatoes pour vous dire. On va tester du coup les potatoes du Domino's avec de la bonne sauce curry. Franchement le truc de la sauce c'est trop stylé, regardez. C'est dans un trou, c'est trop classe, c'est trop satisfaisant. Mais bref, nous on a commandé Domino's tout simplement pour tester leur nouveauté, l'espèce de tacos. Par contre il est un peu cassé hein, l'espèce de tacos au burger. Oh là 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 là. Il est un peu démonté le truc, on va essayer de le sortir. Regardez-moi ça, c'est ça leur truc hein. Donc c'est l'espèce de tacos burger. Donc en gros ils ont essayé de faire une recette burger avec un tacos. Donc regardez le bail. Ça a l'air d'être vraiment très très bon hein. On sent vraiment la sauce burger. Et à l'intérieur il y a de la viande de bœuf hein, des boulettes de bœuf un peu comme dans les spaghettis bolognaises. Et c'est halal le bœuf dans mon Domino's. Donc ça passe nickel. Mais en tout cas c'est pas mal, c'est assez mastoc. Et voilà quoi. Donc ça je l'ai à 7,99€. De toute façon je vous ai montré les prix quand j'ai commandé etc, mais je vous le fais rappeler hein. Donc franchement voilà, c'est pas trop cher. Franchement ça 7,99€, le truc il est assez balèze. Franchement je trouve ça raisonnable. Mais par contre pour les churros on est clairement sur de l'arnaque, mais à 100% quoi. Du coup la famille, on va commencer par quoi? On va commencer par tester leurs potatoes. Donc ça va être le petit apéro hein. Donc on va voir les potatoes tout simplement de chez Domino's Pizza. Donc allez, on va prendre la sauce la famille, la sauce curry. Par contre elle est ultra chaude la sauce curry, elle était au-dessus des potatoes. Oh mais ça sent le curry la famille. Ça sent le curry. Ouais ouais, ça sent vraiment le curry en plus. Donc bref, on va prendre tu vois des potatoes nature. Voilà. Elles sont bonnes, ça va.
Ouais. Les potatoes, dirais-je, elles sont pas mal. Maintenant, on va les tremper dans ce curry. Ouais, en vrai de vrai, c'est des potatoes classiques, ça passe. Hein. Ça se voit que c'est pas des potatoes faites maison, c'est des potatoes industrielles, surgelées. Mais ça va, c'est bon, c'est pas mal. Et là, la famille, bien évidemment, j'ai pris une boisson avec, j'ai pris du bon Sprite, aromate naturel, citron vert. Donc voilà, une boisson, bien évidemment, c'est indispensable quand tu prends un drive. On va ouvrir ça, on va se rafraîchir parce que les potatoes, tu vois, ça donne de la sécheur dans la gorge, tu vois. J'ai l'impression que c'est le Sahara dans ma gorge, j'ai l'impression qu'il y a des chameaux qui se baladent et tout. Franchement, ça fait bizarre, je sens les pattes des chameaux en plus. Aïe, hein. Bref, on va se rafraîchir, après on va taper l'espèce de tacos burger. C'est parti à la vôtre, hein. Et quand je bois du Sprite, la famille, j'ai envie de sprinter à la Usain Bolt. Je vous jure, j'ai envie de taper des sprints quand je bois du Sprite. Genre, ça donne de la patate, c'est un truc de ouf. Mais bref, attaquons désormais la bête. Hein. Donc, je l'ai pris en taille XL. Hein. J'ai pris le plus gros bail. Donc, franchement, le bail est assez lourd. Après, il n'est pas large comme un tacos. Hein. Vraiment, on va le comparer à un tacos. Le goût, ça peut être pas mal. Hein. Donc, on va goûter déjà. Ok. Pour l'instant, j'ai tapé que de la pâte. Hein. Il n'y a que de la pâte pour l'instant. Il y a beaucoup de pâte. Mais la pâte, elle est bien cuite, elle est assez bonne. Et je crois que c'est de la pâte à pizza. En tout cas, pour l'instant, je ne sentais que la pâte, vraiment. Regardez, hein, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pâte. Hein. Regardez. Là, on commence à sentir la viande à l'intérieur, là. On sent vraiment la sauce burger. En fait, ils ont mis beaucoup de sauce burger. C'est un truc de malade. On va taper un coup de jerk là-dedans, là. Comme ça, vous voyez bien. Regardez. Alors, on va taper un coup. Franchement, pour l'instant, c'est bon. Hein. Alors, regardez. On voit les boulettes de bœuf là. Franchement, c'est pas mal. Vraiment. La nouvelle recette, elle passe vraiment pas mal. Et ça change vraiment dans le tacos parce qu'en fait, la pâte, tu vois, c'est de la pâte à pizza. C'est pas de la pâte à maïs comme au tacos. Mais après, dommage, il n'y a pas trop de fromage, etc. On sent vraiment la viande avec la sauce burger, quoi. C'est vraiment ça les trucs principaux. On va taper une autre bouchée. Après, par contre, ils m'ont pas donné de serviette. Dommage, parce que j'ai les mains sales, mon frère. Mais après, la famille, le défaut, c'est que c'est compliqué à manger un taco. C'est beaucoup plus facile à manger. Hein. Et là, regardez, je vais essayer de vous mettre un petit focus. Regardez, on voit la viande, etc. Avec un petit peu de fromage. Par contre, il n'y a pas trop de fromage. Je suis un peu déçu, voilà, parce que, je sais pas, en fait, si j'aurais mis plus de fromage, ça aurait été passé plus crème, tu vois. Mais après, je vais vous dire les choses honnêtement. Franchement, un taco, c'est plus bon que ça, vraiment. Voilà. Après c'est pas dégueu bien évidemment hein. Mais franchement je préfère largement un otakus. Après ça tu peux prendre ça pour changer un peu. C'est pas officiel mais ça va, ça passe. Et là on va goûter la viande là. La viande c'est des espèces de steak hein. Truc de bœuf là je crois. La viande en plus elle est pas trop savoureuse. Ouais. En vrai de vrai c'est pas trop ouf hein. Après par contre la pâte est vraiment bonne hein. La pâte elle est vraiment douce. Regardez. Non, vraiment bonne. Du coup la famille, pour le taco ce burger, franchement un petit peu de déception quand même. Au final je trouve pas ça vraiment trop bon. Mais ça passe, finalement je vous conseille mieux un au taco, c'est plus bon que ça quoi. Mais maintenant, on va tester la douille du sec qu'ils m'ont mis. Simplement les churros là, 3,50€, des mini churros comme ça là. Franchement c'est un truc de fou. Je m'attendais à les gros churros des fêtes foraines. Mais bref, on va les goûter quand même hein. Du coup on va taper les churros la famille. C'est parti, j'espère qu'ils sont bons hein. Là ils sont croustillants. Deuxième bouchée. Non, elles sont croustillantes, mais elles n'ont pas beaucoup de goût. Voilà, c'est pas des vrais churros, quoi. C'est des churros vraiment bas de gamme, t'as l'impression. Je trouve pas ça bon du tout, vraiment. En vrai, cette dégustation, franchement, hein, je vous parle en ça, la famille. Je suis vraiment déçu de Domino's. D'habitude, ils font beaucoup mieux. Hein. Là, le problème de ce truc-là, c'est qu'en fait, la viande, elle a même pas de goût. Ils ont blindé de sauce, t'as l'impression que tu manges du pain avec de la sauce, quoi. On sent même pas le goût de la viande. En fait, ils ont mis beaucoup de sauce pour cacher le goût de la viande. Désolé, mais la viande, elle a quasiment pas de goût. Je trouve pas ça bon du tout. Le seul truc qui était bon dans cette dégustation, c'était les potatoes, ça passait, et le Sprite. Vraiment, sinon, grosse déception. En ça, la famille, grosse déception pour les churros. Franchement, si vous voulez tester ce genre de truc, prenez au poulet curry ou au kebab. Ça, par contre, c'est vraiment bon, tu vois. Mais le truc nouveauté burger, là, c'est pas fou. Je mange ça parce que j'ai faim, j'ai rien mangé, mais le goût est pas officiel. Franchement, poulet curry ou kebab, c'est beaucoup plus bon en termes de viande si vous la changez à l'intérieur et vous fait un vrai truc quoi. Donc voilà, voilà la famille, on va arriver à la fin de cette vidéo du coup. Donc je compte sur vous, bombardez la barre des likes si cette vidéo vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. Likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.